Es-tu déjà allé pêcher avec ton fils ? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. All right, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils! Pour nos filles! Et pour Sparte! Ouais, les combats sont nettement mieux. Attends, je vais lui faire une charge, tu vois. Regarde. Dégage. Rien ne résiste à Sparte. Vole, petit aigle. Envole-toi vers de nouvelles contrées. Oh. Tu chantes bien. Comment tu me parles, toi? Le cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qu'il peut s'asseoir dessus. C'est pour la semaine dernière. Petite parenthèse, parce que le doubleur qui double, je savais pas que c'était sa voix. Mais c'est juste mon doubleur préféré. C'est plus qu'un doubleur, c'est un excellent acteur. Il s'agit de... Merde, j'ai oublié son nom. Adrien Antoine ? Non. Il a deux prénoms comme nom. Il y a Antoine dedans. Bon, voilà, c'était juste une parenthèse. Vous le connaissez tous. C'est lui qui double Thor. C'est lui qui double Superman. C'est lui qui double beaucoup Arthur, dans Arthur aussi. Et là, je suis en kiff parce que c'est juste mon doubleur préféré. C'est ma voix de cinéma préférée. C'est juste... Il double aussi Adrien Brody. Voilà, c'était une petite parenthèse cinématographique, c'était important pour moi de vous le dire, et que j'apprécie tout particulièrement ce monsieur. Malak ! Adrien Antoine. Le cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Oh, alors vas-y. Ah ouais ? Approche un peu, et je vais te montrer. Tu devrais le savoir depuis le temps. Ah ouais ? Le cyclope se sent une âme de précepteur. Dis-lui de venir en personne. Allez, petit contre. On ne se moque pas du cyclope. Ouais, les combats sont nettement mieux foutus que dans Origin. J'adore. Qu'est-ce que tu veux, toi, petite ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, j'ai défoncé des mecs, moi. C'est rien, Foibé. Bah, voyons. Sers-toi, je t'en prie. Bah, c'est ce qu'elle fait, hein. Tu as faim, Icaros ? Tu pourrais peut-être lui demander. Ils sont pas morts, eux. Ma tête. Choix. Vos choix auront des conséquences visibles et invisibles. Réfléchissez bien, car certains de vos actes influeront sur l'histoire à titre définitif. J'adore. Pour l'instant, j'adore. Vous êtes mort. Non, je suis un mec sympa. Dégagez. Et dites au borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. Il a l'air d'accord, l'oiseau. Mais pourquoi il m'attaque ? Mais je t'ai rien fait, moi. Mais pourquoi ? Ah, mais c'est les mecs de tout à l'heure. Je vous épargne et vous me faites ça. Ah ouais, bande de bâtards. Ok, c'est parti.
Attends, je galère avec les touches par contre. Je suis une bite. C'est bon, ça commence à venir. Ou pas. Oh, l'esquive que je vous ai. Bah, parce que tu. Comment. Ah, et voilà, c'est ça que je cherchais. Les combats sont nettement plus intéressants. Bon, lui, il m'emmerde là. Bah, ta soeur, je m'en fous. En fait. Oh, petite esquive. Attends, j'ai la. Oh, petite esquive, droite, gauche. Ouais. J'ai eu chaud. Hein. Mais j'ai bien aimé le Origine. Hein. Il était très beau, très chouette et tout. Mais c'est le système de combat de Origine. Je n'y arrivais pas du tout. Enfin, il manquait quelque chose. Et je trouve que dans Odyssey, ils ont répondu à ce quelque chose. C'est-à-dire une vraie fluidité. L'autre était, il y avait trop des mécaniques rigides. Bouclier, attaquer, roulade, attaquer. Là, il y a quelque chose de plus fluide qui se fait dans le gameplay. C'est nettement plus agréable. Ces herbes hautes vont me cacher. Mais je suis pas là. Tu parles à de l'herbe. Non. Je ne peux pas laisser s'enfuir le reste de ces malakès. C'est quoi des malakès? On va siffler. Hé, qui est-ce qui siffle? Mais qui fait ça? Jimmy, t'as un pivert des Alpes. Oh merde, c'était pas discret ça. Ah, j'ai raté mon attaque, c'était sur A que j'ai appuyé. Ok, c'est pas grave, on y va à fond. J'arrive pas à faire les esquives, il faut. Oh! Oh bah là, double esquive! Oh! 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 Aïe, bâtard! Arrête de me mettre des pêches comme ça! Merde! Il n'y avait que des bandits. Right. J'en aurais quand même. Oh, j'ai une belle jupe. Attention, petite fille, il y a de l'eau, vous pouvez vous noyer. Où sont vos parents? Oh merde, excuse. Non, non, c'est un accident! C'était un accident. Non, c'est parti tout seul. Je la connais, elle m'aime bien. Regardez, je vais lui parler. Comment c'était avec Marcos? Ouais. Ah, comme toujours. Oh là, oh là, qu'est-ce qu'il a le chien? Mais calme-toi, vilain chien. C'est pas un chien, c'est un loup, ça. Non? Arrête de l'attaquer. Mais arrête d'attaquer le chien, toi. La poule, elle a rien fait. J'ai tué le mec. Non, le chien, arrête. Bon bah finalement j'ai tué une poule, le mec et le chien. Ah comme ça il n'y a plus de problème. Coucou il me fait l'autre. Salut. Viens voir. Ça se voit que t'es grec toi. Hein. Je ferais probablement mieux de ne pas grimper là-dessus. Excusez-moi de pouvoir monter sur une roubignole. Non. Qui n'a jamais rêvé de faire ça? Voyou, voyou, voyou! Il n'y a pas d'espoir de trouver un remède? Rien n'a eu d'effet. On est à peine malade! Ouais, mais ça se trouve, vous avez la peste et vous. Ceci est le seul et unique moyen. C'est un dilemme. C'est la mort de toute la population de Kefalonia. Pitié! On a des enfants! Pense à eux! Bah ouais, mais les autres aussi ont des enfants! Était ta venue ici, Mysterio. Oh merde, qu'est-ce que je fais? Bon, ils ont peut-être la peste, ok? Donc s'ils les libèrent, et qu'ils vont empester tout le monde, c'est foutu. Le mec va foutre la peste partout. Mais si je ne laisse pas faire, eux, je sais pas, ils comptent pas les tuer, de toute façon, ils comptent juste les emprisonner, non? Bah voilà, ça me regarde pas, en fait. Tu te démerdes. Hein. Pardon, mais. Je ne vais pas me mêler de ça. Ouais, grave. Je ne mérite pas de mourir. Ah bah si t'as... d'autres mourront si je vous libère. Bah ouais. Tu auras notre sang sur les mains. Ouais, mais vaut mieux ton sang que ceux des au autres. Nom des dieux. Tu as leur bénédiction. Ouais, c'est pas beau à voir. Tu ne les as pas sauvés? Bah non, mais ils ont la peste. C'est mon ami. Bah ouais, mais elle a la peste. Sam, mais
J'aimerais que ça n'arrive pas. Oui, mais ça arrive, Fouibé. J'ai fait ça pour le bien de l'humanité, Fouibé. Non, c'est pas du réchauffé d'origine. Là, tu sens qu'ils ont laissé place à... à un gameplay beaucoup plus fluide. Et beaucoup plus agréable, je trouve. Non, tu m'as pas vu, t'inquiète. C'était quoi ça ? Rien. C'est pas moi. Hein ? Ah merde ! Ah ! Je vais. Tu veux toujours te battre ? Les combats, je les trouve nettement plus intéressants aussi. Beaucoup plus fluide, vraiment très agréable les combats. J'aimais pas du tout, et sachant que j'aimais, et je l'avais dit à l'époque, j'aimais pas du tout les combats dans l'origine. Et là, là je retrouve du plaisir. Voilà, j'ai cassé un vase. Fallait pas m'énerver. C'est une femme que je frappe là. Je frappe pas les femmes moi. Arrêtez madame, ça sert à rien. Rangez... Non, calmez-vous madame. Je ne veux pas vous faire de mal. Non, je déconne. Dégage. On t'a formé pour ça. Oh merde ! Ah ! Il y a un chat énorme qui me poursuit. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans, quoi, putain. Ah bah il est con, lui. Il va se faire bouffer par le... Ah bah tiens, bah, t'as raison, descends. Ouais, allez, au revoir. En fait, c'est pas con ma technique. Attends, une poule m'attaque! Mais les poules m'attaquent! Mais calmez-vous! Mais arrêtez! C'est mieux de m'occuper de ça. Bah ouais, mais. Est-ce qu'il. Mais je veux pas vous faire de mal, les. Mais. Oh, vous me faites chier. Dégage. Toi aussi. J'arrive pas à l'avoir. Et je vais mourir par une poule. Non, mais t'y crois, ça? Qu'est-ce qu'elles ont, ces poules? Je voulais pas vous faire de mal, là. Bon, les poules sont très vénères dans le jeu. Et si je prends pas d'armes par exemple? 51. Ah et voilà, si je peux le faire, mais en fait c'est pas pratique. Si je peux le faire. Mais auquel cas, il compte pas. Attends. Et arrête de chanter parce que déjà tu chantes mal et ça m'énerve. C'est vraiment très désagréable. Allez les gars. Voilà. C'était très gênant. Voilà. Donc t'as des combats, c'est bien. On peut les faire au point. Mais la question que je me pose maintenant. On les fait au point, d'accord, super. Mais est-ce que ça ne nous met pas à zéro de DPS? Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai tapé un mec lambda, donc ça allait. Mais imagine, je veux affronter un mec et le battre au point. J'ai pas de DPS de point. Tu vois, il n'y a pas... Il n'y a pas comme dans l'autre où il y avait des espèces de gantelets que tu pouvais avoir, bah, tel DPS, comme quand tu as une épée qui fait du DPS. Et là, je ne retrouve pas ça. C'est dommage. Ce système de pouvoir choisir son type de combat, j'aimais bien. Je me souviens que dans Assassin's Creed 2, je jouais quasiment que au point. Bon, après, c'était pas du tout le même principe, mais j'adorais les bastons au point, les... Donc là, je sais que je peux le faire, mais pas comme je voudrais. Enfin, à voir, à voir. Ah ouais, oh, il a ramassé une épée. Non, c'est quoi, un morceau de bois? Dégage avec ton morceau de bois. Ah si, ça fait des dégâts quand même, des coups de poing. En fait. Et te relève pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je t'ai rien fait, moi. Mais pourquoi tu m'as... Mais je t'ai jamais attaqué, toi. Tiens, voilà. Ah ouais. Graphiquement, il est très propre. Et contrairement... Ben, Origin était très beau aussi. Hein. Mais par contre, je le trouve beaucoup mieux optimisé que... Mais comment tu... Ah voilà. Que Origin. Niveau optimisation, je sens que... En route pour la maison d'Ulysse dans un petit bateau. C'est nettement mieux. Mais je pense qu'il faut quand même une grosse config pour bien le faire tourner. Tu peux montrer la taille de la map, s'il te plaît. Bien sûr. Parlons de la taille de la map. La taille de la map. Hop.
Ah non, c'est pas ça. Tu y as cru, hein. Non, la taille de la map, c'est pas ça non plus. C'est quoi là? Tadam! Alors, depuis tout à l'heure, la première... Merde, excuse-moi. Depuis tout à l'heure, la première mission qu'on est en train de faire... Mais dégage, là, les missions, là. Je veux la carte, moi. Voilà. On est juste sur cette petite île. Petite, entre guillemets. On est juste sur cette petite île. Ouais, je fais bien le... Enfin, bref. On est juste sur cette petite île et la taille de la map en elle-même, elle est juste insane. Voilà. Donc il y a beaucoup d'îles dans le champ. Voilà, la taille de notre île, c'est ça. L'équivalent de ma main, même plus. Disons que si je fais une perspective, on va dire que c'est ça, ok? Et regardez la taille du truc, du coup, maintenant. Vous avez vu comme c'est très grand? Oh là là, c'est très impressionnant. Oh, c'est grand. Donc, la météo. Demain à Chaos. Petite brise fraîche matinale. 43 degrés dans l'après-midi à l'ombre. Bien évidemment, nous vous conseillons de la pommade. Ça donne quoi ces premières heures de jeu? Alors, mais j'aime beaucoup le jeu. J'ai un bon feeling avec lui. J'ai un bon feeling au niveau du gameplay avec lui. Chose que je n'avais pas avec Origine. Ce n'est pas le moment d'agacer Poséidon. Et toi, t'en penses quoi? Dis-nous ce que t'en penses. Vas-y, on t'écoute. Le jeu est bien. Le jeu est chouette. Le jeu est rigolo. J'ai beaucoup rigolé. Il y a des biquettes. Il y a des biquettes et des minettes. C'est un bon jeu. Très bien. Et la fille, elle est bonne. Pourquoi t'as pas pris le prix de la fille? T'as pris l'émotion. Ah, c'est ça. Comment ça devenir agaçant? Bah, j'ai rien fait. C'est quoi la touche qu'il faut que je fasse là? Merde! Reste où tu es! F, ok. Ok, j'ai raté. Baston général. Mais il y a le chien aussi! Ah non, je fais pas de mal au chien, moi, je me casse. Ah non, hors de question que je tue un chien. J'ai une flèche verte dans le bras et ça, ça fait mal quand même. Mais non, il y a tout le monde qui arrive là! Non, non! Toujours à vouloir me tuer celui-là, je lui ai rien fait en plus. Non, je redescendrai pas. Tiens, le prochain qui monte, je l'envoie chier. T'es prêt? Cours, surprise! Oh, je l'ai eu! J'ai eu Talos! En fait, j'ai trouvé la technique pour les buter facilement. Allez, dégagez tous, regarde. Allez, prochain! Allez, salut! À toi maintenant. Dégage! T'es rempli dans 300. Marianne! Mais calme-toi, toi! Marianne! Quelle est votre métier? C'est bien. Dégage! Je kiffe. Et arrête de faire des tags, toi! Faut que je fasse le tour. Vous voyez, moi je. Oh! Oh! Un poulpe! Reviens, petit poisson d'eau douce. Oh, regarde, ils sont là, les dauphins. C'est des dauphins ou... Je ne fais pas demi-tour, je vais chavirer. Oh, des dauphins! Venez, attends, on peut plonger pour aller les voir? Comment on plonge dans l'eau, là? Ils sont les dauphins. Oh, c'est pas des dauphins, ça. C'est des dauphins. Ils sont... Poisson. Ah, je l'entends. Ah, oh, c'est une baleine, ça. Elle m'appelle. J'arrive. Elle est où? Oh, elle est là. Oh, regardez. Oh, c'est trop beau. Par contre, j'ai une sacrée apnée quand même. C'est une baleine à bosse, ça. Je m'y connais en baleine. C'est un cétacé. Eh, ça c'est super, tu peux nager avec les baleines dans le jeu. Franchement, hein. Qui n'a pas rêvé de faire ça un jour dans la vie? Mon œil.
Allez, rends-le-moi. Non. Rends-le-moi et je ne tuerai pas Marcos pour t'avoir dit de le voler. Alors maintenant, rends-le-moi. Tu le veux? Bonne nuit, Pez. Va le chercher. Dans la piquette. Il a mis dans son... Il l'a mis dans la biquette. Il l'a mis dans les fesses de la biquette. Dans la biquette. Mais ça se fait pas de faire ça une biquette. Dans la biquette. C'est bizarre.